Et salut à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Planet Zoo. Et on peut admirer ma magnifique pyramide là-bas en fond. Allez, donc on va attaquer. Donc la dernière fois, on était sur le l'enclos des élans. Et on avait dit qu'on allait mettre des paillages et des optimisations. Alors on va leur mettre des feuilles plutôt... Grand, moyen, très grand. Pouf. Ouais, un truc comme ça. C'est pas mal ça, non? C'est pas mal ça, non? J'ai des cailloux qui volent du coup là. Ok, on va faire comme ça. Bon, c'est pas mal là. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ok, alors les optimisations, il faut qu'on aille voir ici dans la zoopédie pour voir ce qu'ils ont besoin. C'est dans les recherches. Alors, des arbres de grattage. Donc, on va leur mettre les deux arbres de grattage. Les chutes d'eau, c'est un peu gros ça. On va déjà leur mettre les deux arbres de grattage. Ensuite, une mangeoire suspendue. C'est pas mal ça. Et une mangeoire pastèque. Alors, c'est dans les habitats. Optimisation. Jouets. On a dit un arbre de grattage pin sylvestre. Ça, on va le mettre par ici si on peut. Là, il est bien là. Ouais, il est bien là. Hop, ça m'a fait un truc dégueulasse là. Ça m'a fait un truc dégueulasse là. Ça ira bien. Ça ira bien. Ok, non, habitat. Un arbre de grattage tamarini, non je pense pas, si on a que ça. Vas-y, on va mettre ça plus ici du coup, celui-là. Hop, ensuite alimentaire, on a dit une mangeoire suspendue qu'on va mettre par là, tiens, ça les incitera à venir ici. Comme ça, c'est pas terrible du tout. C'est pas terrible du tout. C'est 3 là, j'aime pas bien. Le fait de leur mettre un truc avec du terrain tout pourri, c'est pas ouf. Bon, c'est mieux que rien, on va dire. Mis assez dans la pierre, je voulais cacher le truc dans la pierre, voilà, comme ça, voilà. Bon, c'est pas trop mal, ça fait un peu bizarre là. On va voir si on peut pas le lisser un petit peu, voilà. Ouais, c'est nickel comme ça. Très bien, très bien, très bien. En espérant qu'il puisse toujours continuer à passer de partout. Donc ensuite on a dit une boule à fourrage qu'on va mettre par là, là c'est pas mal, et une mangeoire pastèque qu'on va mettre ici, voilà. Ok, donc là notre élan il est là, il traverse les rochers, fantastique. Donc là, niveau terrain, il est bien. Environnement, il est bien. Optimisation, il est très bien. Donc il est très bien. Parfait. Et il peut se balader de partout. Ouais, c'est un petit poil juste ici, là, mais ça passe.
passage ici à un poil juste, mais ça passe, ouais. Ok, très bien. Donc il peut nager jusque là-bas en fait, donc. Oula, le jeu fait n'importe quoi. On va essayer de lisser là. Oula. On remet pause. On enlève ça parce que ça pique les yeux. On va essayer de lisser là un petit peu, ce serait pas mal. Comme ça, essayer d'améliorer leur zone d'accès à leur. Là où ils dorment quand même, ce serait pas mal. Hein. Parce que j'ai pas fait des trucs là. Non. Hop, donc c'est bon. Et bah c'est pas mal ça. Peut-être qu'on pourrait mettre un peu des plantes sur ces pierres là, non? Peut-être qu'on pourrait mettre quelques plantes sur ces pierres. Des trucs comme ça, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal ça, hein? C'est pas mal ces plantes. Ça va bien sur les pierres. Ok, bon, très bien. Très bien, très bien. On n'a pas mis d'arbre d'ailleurs ici, on va peut-être en mettre un petit peu. Genre un frêne. Pouf. Pas trop non plus parce qu'il faut que les gens quand même dans le train puissent voir le. Quand tu auras le train, il faudra qu'ils puissent voir ici quand même. Ok, je peux mettre un truc comme ça, c'est joli ça. J'aurais pu mettre un saule pleureur. Ça fait un peu vide là, mais ça va aller, je pense. C'est bien, justement, ça fait un peu plus plaine, ça me va. Pour les élans, ça me va. Ok. Ok. J'avais dit qu'ici je voulais faire un peu de déco, aussi rajouter de la. Des plantes. Des trucs un peu comme ça là. Voilà, histoire juste de. De rajouter de la. De la vie. Dans cette zone là. Cette zone là où c'est compliqué d'y aller avec la caméra dès qu'il y a beaucoup de. Dès qu'il y a beaucoup d'arbres, de machin. J'ai mis quoi, Amérique du Nord? Filtre. Non, c'est biome. Prairie. Tempérée aussi. Voilà. On a un peu plus de choses intéressantes. Ok, les petites fougères comme ça c'est pas mal. Ah non, c'est pas des fougères ça. La fougère. C'est tout petit ça. C'est tout petit. C'est vraiment histoire de faire que ce soit pas trop vide dans ces endroits là quoi. Que ça fasse pas que des arbres posés comme ça à l'arrache. C'est vraiment à ça que ça sert ce que je suis en train de faire. Et vous remarquerez que je pose très souvent des petits arbustes ou des petits buissons juste à côté des arbres. Parce qu'en général, dans la nature, les
les arbres sont jamais posés comme ça, on a toujours des petites plantes au pied des arbres. Ça c'est pas mal du tout, mais c'est très grand. Pas plus petit. C'est pas mal ça. Voilà, bon déjà c'est pas mal. De toute façon c'est une zone qui est derrière là, donc ça se voit pas non plus énormément. Ok, donc je crois qu'on peut dire officiellement que j'ai terminé la zone Amérique du Nord. Qui est pas mal en fait, hein. Elle est assez grande, hein. Elle fait toute cette zone là, là. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Du coup, qu'est-ce qu'on va attaquer? Qu'est-ce qu'on va attaquer? On va peut-être faire un enclos ici là. Là, je voulais faire des animaux. Oh, j'ai plus de sous. J'ai plus de crédit de préservation. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette zone là? Les animaux d'Afrique. Le bongo, on a dit qu'on allait essayer de le mettre. Amérique du Nord, Afrique du Nord. Ça, je crois. Voilà, l'oryx gazelle. Ou l'okapi. Ici ou là-bas? On va mettre les gazelles. Allez. En fait, c'est simple, non? On va aller voir ce qui coûte le moins cher. Oryx. Gazelle. Crédit de préservation. Ah, ça commence bien. C'est quoi les autres, les okapis? Ah, ok, fantastique. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Je pense qu'on va acheter lui. Ah non, lui. Clairement. Oh, elle est pas mal cette femelle. On va prendre celle-là. C'est quoi la taille des groupes? 5 à 10. Il faut 4 femelles. Génial. Génial. Comme ça, certainement pas. Oh, ça me fatigue. Pourquoi on en trouve pas? Ah. Oh.
Oh! Oh! Pour 90. Prendre elle. On va revendre l'autre malle qu'on avait acheté du coup. Je l'avais acheté 100 ou 150, je sais plus. Je crois que je l'avais acheté 150. On va aller voir, on va le revendre le même prix du coup. Lui. Clairement. Clairement. Femelle, femelle, mais celle que je viens d'acheter, ça. Des fois ça bug comme ça. Ouais, mais 10 000 non. Elles sont toutes pourries. Elles sont toutes pourries. Elle, celle qu'on a acheté. Ouais. Mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. On va prendre ça, ça, ça. Et on va l'envoyer dans le zoo. Ici. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser que pareil. Je n'ai pas associé cette zone de travail. Enfin, ces enclos, du moins, aux zones de travail. Ah, tiens, celui-là, je l'avais fait. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. J'avais prévu le coup. C'est très bien. Ok. Donc là, elles ont des zones pour se mettre à l'abri. Pour leur mettre du paillage. Et ben, ah, c'est ça. Foin ou des feuilles? Du foin. Ok. Très bien. Alors qu'est-ce qui se passe là-bas? Fog gris. Variou. Élan. Ok. Ouais, celui-là c'était bon, c'est clair que d'autres c'était bon, je m'en souviens. Là ils sont morts, on s'en fout. Gestan, ok. Ok, là ils me les ont amenés, stop. Animal mort. Plein vétérinaire. Oula, en plein milieu du chemin. L'animal est stressé. Comment ça se fait? Stress. Ça veut dire que là il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'animaux dans cet enclos. Pourquoi il est dans une caisse ici, lui? Il fout là, lui? Qu'est-ce qu'il fout là, notre ami l'élan? Je ne sais pas. Bien-être faible. Habitat. Température. Ah zut! Ah bah voilà une chose à gérer. Je vais zapper ça. C'est quoi leur. La température qu'ils veulent?
C'est dommage ça qu'on n'a pas un rappel ici ou quelque part de la température dont ils ont besoin. Ouais, ce serait bien. De moins 22 à 20. Et là, il fait 31. Ah oui. Effectivement, il fait un poil chaud. Alors, du coup, là, c'est dans les habitats, je crois. Chauffage et ventilateur. Ventilateur. On va faire comme ça. Hop. Ah. C'est pas terrible. On va faire comme ça. Ok, ça on va le mettre à 20. Degrés. Ouais, 15. OK. Ah oui, mais il n'y a pas d'électricité là-bas. Oh putain. Comment on va faire? Je crois qu'on va être obligé de mettre un truc temporaire. Je crois que je vais pas aller. Je crois que cette vidéo va pas être très très longue parce que je commence à m'écrouler là, je suis très fatigué. J'ai fait beaucoup de choses là ces derniers jours et là je commence à subir. Ok, donc ça on va le mettre comme ça ici. Hop, comme ça on est sûr que ça gêne pas les gens. Parce que les gens sont chiants. Voilà. Ok. Comme ça on aura de l'électricité ici au moins. Normalement maintenant. Température devrait commencer à baisser ici. Voilà. Très bien. Parfait. Parfait. Hop. Comme ça ils seront bien mes élans. Ensuite là-bas. On a dit. Zorix Gazelle. Pardon. Ils ont besoin de sable. Hein. Tiens, c'est marrant. Les abris solides, c'est bon. Le terrain, c'est bon. Enfin, non, c'est pas bon. On va mettre du sable. Sable, roche. Voilà, roche, on en a un peu. Du sable. Ouais, du sable, quoi. J'arrive même plus à trouver où sont mes outils quoi. Hop. Ah, niveau du désert, hein, sûrement. Voilà. Encore plus de sable. Ok, allons-y. Sable, sable, sable. Voilà.
Il y a du sable de partout, c'est le désert. Et c'est joli. Ah, c'est joli. C'est très très joli. Ah oui, j'ai pensé à un truc l'autre jour, je voulais vous en parler. Il y a un truc quand même qui me déplaît un peu dans ce jeu. Enfin, qui me déplaît. Voilà, c'est un détail, hein. C'est les arbres. Le problème des arbres, c'est qu'on a que 2, 3, 4 des fois modèles par type d'arbre. Si vous m'écoutez, les développeurs du jeu, dans le prochain, faites-nous un générateur d'arbres aléatoires. Ça, ce serait fantastique. On choisit une espèce d'arbre, une taille, et après, pouf, ça génère un modèle aléatoire. Avec des branches un peu... Ça, ce serait vraiment, vraiment, vraiment très cool. Mais vraiment. Et quand je dis vraiment, je dis vraiment. Ce serait vraiment très bien. Bon. Du coup, qu'est-ce qu'il leur reste là-bas? Donc là, groupe social, oui, ça c'est normal. Le terrain est très bon. L'abri solide, c'est 99. Pourtant, ils ont quand même un grand truc. Bon, on agrandira ce truc-là s'il faut. Plus tard, quand on aura plus de... d'énergumènes. Allez, Afrique désert. Les plantes, ok. Je suppose qu'ils en veulent pas trop. C'est marrant ces arbres. On va en mettre un là. Par là. Hop. Des petites herbes comme ça. Là. Ah mais non, attendez. Hop, 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 hop. Ça vient d'où ça? Amérique du Nord, on en a pas besoin. Prairie non plus. Climat tempéré non plus. Taïga non plus. Voilà. Ok, donc ça c'était bon. On a le... C'est un peu le même, hein. L'arbre à carquois. La carquois, ouais, carquois. Et le dragonnier de Sogo, je sais pas quoi. C'est exactement le même. C'est exactement le même. Il y a juste pas la même couleur de... de tronc et de feuilles. Ok, donc si ça c'est bon, ça y est. On peut en mettre de ça. Très bien. Un dattier. Un dattier. J'ai déjà là. Cocotier, non, pas forcément. C'est sympa ça. Même si c'est sûrement plus des arbres qui vont aller de, dans l'autre partie. C'est joli. Là, l'Oliban du Soudan. Allez, vas-y. Bon, bah voilà, ils ont quelques arbres. C'est pas mal comme ça. C'est le désert, hein. C'est le désert. Ok, les optimisations, comme d'habitude. Hop, hop, hop. Non, c'est dans les recherches. Alors, un tamarinier, on va mettre ça. Et on va mettre une boule à poignée. Un tamarinier, on va le mettre là, oui, voilà, et après on avait soit ça, on va mettre là, ça, ok, et alimentaire, j'ai pas regardé les optimisations alimentaires, mangeoir suspendu et boule à fourrage. La mangeoire suspendue peut-être se suffira elle-même. Hop.
Ok. On est très bien. Des éléphants. J'ai eu des bébés éléphants. Trop bien. Femelle, on va la garder. Voilà. Ok. Très bien. Bon, bah on a tapé sur notre vidéo d'une demi-heure, donc on est bien, on est bon. On a fait un enclos, on a terminé là-bas un petit peu. Bon. C'est cool. C'est cool, c'est cool. On a bien avancé. La prochaine fois, on essaiera de faire cet enclos-là, ou peut-être d'avancer la zone Afrique du Nord. Là, on verra un peu. On essaiera de réfléchir un peu ce qu'on va faire. Ok, alors, bah écoutez, sur ce, moi je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut à tous, ciao!